Ce résumé vous est présenté par Heineken et Oppo. Sponsor de l'UEFA Champions League. Grealish pour essayer d'aller provoquer. Oh, il va frapper. Il va frapper. C'est dans le filet latéral. Jack Grealish. Oh, bel appel. C'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Le centre, il est parfait. Le voilà. La voilà, cette connexion entre KDB et Erling Haaland, s'il vous plaît. Il aura fallu attendre quoi ? 20 minutes. 20 minutes pour voir ces deux-là s'entendre à nouveau. 20 minutes pour assister au troisième assist de Kevin De Bruyne pour Erling Haaland. Et bah oui, 20 minutes, hein. C'est tout ce qu'il a fallu attendre. Regardez, il montre en plus où il va aller, Kevin De Bruyne. C'est beaucoup trop facile, complètement oublié. Puis le centre, il est parfait. Erling Haaland, il n'en demande pas plus, hein. Il n'a même pas besoin de travailler. Il doit juste faire un sprint sur 5 mètres. Et il profite évidemment de ce caviar de KDB. Ah, il y a le petit regard, vous l'avez vu, hein. Il n'a pas besoin de plus, Kevin. Phil Foden, je doute qu'il essaye directement. Ce sera normalement pour KDB, hein. Ah, il va tenter de là. Il va tenter, il y a du muscle, hein, dans le rectangle. Il tente directement, oh, c'était bien donné. C'était dans le filet latéral, effet d'optique. Elle partait très très bien, je pense que Bounou était dessus. Quel toucher, hein. Tayes, là, c'est pas mal donné, mais il n'y a personne dans cette zone-là. Tous les Sévillans sont au premier poteau. La frappe, sans danger. Ederson s'est couché pour le principe. Ballon sauté de Rakitic, intéressant vers Navas, ça arrive impeccablement bien, la combinaison est parfaite pour Papou Gomez qui est déjà en train de glisser au moment de sa frappe. Là non plus, il ne faut pas se tromper avec Kevin De Bruyne, petit ballon vers Erling Haaland qui remet à Kevin De Bruyne, c'est la balle du 0-2, oh, l'arrêt de Bounou devant Kevin De Bruyne. Attention, parce que ces deux-là, on a l'impression qu'ils ne combinent pas toujours correctement ensemble. Ce sera à prendre en compte aussi dans les semaines à venir. Cancelo, le centre peut-être. Provoque bien, Foden, petit crochet. Il y a Kevin De Bruyne qui est là, il va y aller seul. Non, oui, il frappe et ça termine dedans. Comme dans la cour de récré, ce but de Phil Foden. Il a eu tout le loisir de faire un crochet, un autre crochet, un troisième crochet. C'est beaucoup trop simple, évidemment. Alors évidemment, on ne va pas attaquer Foden dans cette position de manière trop brutale, sinon il y a pénalty, mais il a quand même tout le loisir de s'ouvrir une fenêtre de tir. Alors c'est techniquement, hein, qu'il est largement au-dessus de Goodelj, on le sait, mais ça paraît quand même un petit peu trop simple, comme dans la cour de récré, je vous le disais. Le centre de Sergio Gomez, il était très bon vers Erling Haaland. Foden qui est pas loin. Il écarte vers le Britannique. Gundogan va offrir une solution à gauche. Il va frapper. Foden, l'arrêt. Il y a Haaland qui est là. Ça va être terminé au fond. Évidemment. Évidemment. Erling Haaland. C'est tellement facile. Belle course de la part de Gundogan qui ouvre complètement cette défense. Et puis quelle erreur d'oublier comme ça Haaland. Ils sont à 3. Fixés sur Foden. Et puis il y a Kouassi qui regarde d'un peu plus loin. La phase se déroulait, qui regarde un peu trop loin Haaland. Yanouzaï, premier contact véritable avec le ballon. Oh, c'est bon ce petit extérieur du pied vers Sousso. La frappe à la retourne, pourquoi pas.
Oh, c'est but. Le centre vers Ruben Dias qui traînait encore par là, évidemment. Il était là sur le coup de coin juste avant. Et il vient parachever une prestation impeccable de sa part, le Portugais. C'est très simple, beaucoup trop simple pour Ruben Dias qui a tout le loisir de se promener dans ce rectangle, d'aller mettre le plat du pied. Il n'y a aucune défense sur lui, c'est quand même assez fou. Hein. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Oppo. Sponsor de l'UEFA Champions League.